J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox et sur un jeu qui s'appelle la zone 51. J'imagine que quelqu'un que vous le connaissez normalement. Donc alors du coup je joue sur tablette. Je raconte ma vie alors que ça sert à rien. Mais en fait c'est un jeu où on doit survivre. Il y a plusieurs modes en fait. Du coup on va le découvrir ensemble parce que je peux pas tout expliquer comme ça. Je passe ma vie. Déjà, il y a la chanson qui est creepy un peu. Il y a Slenderman hein, dans le jeu. Alors, on fait play. Bon, on va faire tous les modes pour, au pire. Bon, on va faire normal parce que. Non, on fait extrême, on fait extrême. Je sais même pas si ça change quoi en fait que c'est extrême, les gens. Ok. Déjà, ça veut dire qu'en fait il fait nuit quand c'est extrême, c'est ça? What? Normalement, en normal, c'est pas comme ça. Hein. Bon, je suis comme ça parce que comme ça, comme ça. En fait, je fais ça parce que comme ça, on voit plus de choses avec la lampe torche. Déjà, moi, je suis déjà brillant. What? C'est trop bizarre là ce mode. Alors les gens, d'abord on teste celui-là. Ok. Il fait tout noir. Ok, c'est pas un monstre. Ah, ça, c'est ça en fait le mode extrême. Alors voyons voir, il n'y a pas beaucoup de gens dans juste mode, tu m'étonnes. Alors faut savoir que les monstres peuvent pas ouvrir les portes. Du coup c'est très pratique. Mais quand c'est les joueurs qui sont des monstres, après ça rend problème. Mais ça, c'est un autre mode. On va le découvrir plus tard. Oh non! Alors déjà, là, c'est fichou. Alors, en fait, vous savez, parce qu'en fait, je connais le jeu par cœur un peu. Donc en fait, on doit y aller... Si on va tout en haut, après, il y aura un méga laser. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a des armes. Comme ça, on peut se défendre contre les monstres. Donc là, j'étais à deux doigts d'y être. Et en haut, il y a un laser. J'espère qu'il y a un laser parce que dans ce mode, je sais pas vraiment. Oh! Je sais même pas ce que je viens de faire. Je suis allé en haut au lieu d'en bas. J'ai un peu triché, mais. J'ai un VIP, mais j'avais pas envie. Ok, il y a quand même le laser. On peut jouer à la première personne, c'est 10 fois mieux. On peut viser, on peut tirer. C'est un peu classique. Comme on est en train de le faire. Bon, du coup, ici, il y a des ventilations. Voyons voir s'il y a ici. Bon, il fait totalement noir. Faut pas avoir peur. Déjà, on voit rien. C'est énervant. Il y a un sniper en dessous des gens. Où sont les autres? Ils sont où? Il n'y a aucun monstre. Les gens, je crois que j'ai changé de jeu là. Changé de mode, je veux dire. Waouh. Très intéressant. Hein, je prends mon laser au cas où. Faut savoir que les monstres, ils ont tous une vie. Hein. Ah. Mais je le vois même pas dans le noir. Ok, il est mort. Slenderman. Il nous a fait une petite blague. Bon, on va avec les autres gens, comme ça nous encourage. Déjà, c'est un fail. C'est un vrai fail. Sérieusement? Je sais pas si c'est une bonne idée. Attention. Waouh. What? Ok, je vois ma potion. Moi j'ai acheté les trucs un peu cheatés avec des Robux. Les Robux c'est l'argent de Roblox, on doit l'acheter. Alors 80 Robux c'est 1€, du coup moi j'ai acheté ça. Donc c'était rien donc. Et la potion là, que je suis en train de boire, ça remonte la vie. Et ça coûte 2 Robux.
C'est rien en fait, en gros c'est 1 centime. Ouais. Et le méga speed là que j'ai là, c'est 30 Robux là. Non, ça doit être 10, ouais. Bon, on s'en fout. Quoi ? Mais laisse la porte ouverte. Il veut pas en fait qu'on se fasse tuer. J'ai plus de force que toi. J'ai plus de force que toi. Allez, 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 allez. En fait, je faut appuyer sur le bouton vert pour voir. Mais sérieusement là, les gens ? Ok, je me suis fait assassiner. Et l'autre aussi. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Ok, on ouvre, on ouvre. Pitié! Ouvre! Ouvre, m'en fiche! M'en fiche. Ouvre! Ouvre. Oh, laisse tomber. Allez! Ils veulent pas nous laisser passer. Ouah! Au lieu de me concentrer sur vous, j'aurais dû me concentrer sur le jeu en fait. Une fois qu'ils sont là, c'est chaud. Sauf si on se barre. C'est fail. Un vrai, vrai fail. On recommence. Mais pourquoi vous fermez la porte? Vous êtes bêtes? Je comprends maintenant. Et genre, j'enferme tout le monde. Il y a d'autres cachettes aussi. Voilà. Ok, elle, c'est pas une tueuse. Ok, il y a encore un gars là qui arrête pas de se faire. Oh! Ouvre la porte, mec! Ouvre-moi cette porte. Oh my god. Non! C'est un fail. Bon, on va changer de mode. On a déjà fait ce mode. Donc, c'est parti. On est obligé de quitter hein, pour faire un autre mode. Donc, voilà. Bon, ok, on fait play. On peut joindre nos potes ici. Voilà. Moi, du coup, je vais faire killer mode. Et vous allez voir ce que c'est le killer mode. En fait, killer mode, c'est où... parce qu'en fait, le jeu peut pas vous expliquer. En fait, c'est où il y a les... Il y a les joueurs qui sont... Il y a des joueurs qui sont les killers, là. Ici, là. Il y en a... Bah, ce sont les survivants. Ils doivent survivre, en gros. Hop. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ça, c'est une sorte de... C'est comme si c'était un... Bon, ici, c'est le... qu'on a fait tout à l'heure, mais le truc qu'on a utilisé c'est comme un train, mais genre tout démodé quoi, tout, c'est pas vraiment un train, vous voyez bien, j'appelle ça comme ça, mais en fait c'est pas ça. Hop. Alors il y a un bouton en haut là, il y a un bouton en haut à gauche, si vous appuyez dessus après vous pouvez courir. Ah, la surprise! C'était une surprise, oh non! Bon, je le tue, hein. Ok, il lui est pas venu. Ça, c'était un joueur qui campait, en fait. Lui, c'est un vrai campeur, hein, il campe. Ici, il y a un sniper, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais peur d'y aller parce que il faisait tout noir. J'avais peur qu'il y avait un monstre qui allait venir parce que c'était pas des joueurs. Il y a plusieurs modes quand je le dis, donc... Alors, le snipe. Je vais pas utiliser l'arme la plus forte du jeu. Ok, déjà là, il y a quelqu'un. Il y a personne. Ok, lui, c'est un joueur. Parce qu'en fait, on le remarque pas. Mais en fait, c'est un joueur. C'est comme ouf, en fait. Ici. Oh! Il vient de spawn! Oh là là, j'ai
de la chance. Je dirais. Ouais, sacrément la chance. Y'a le clincher. Ah, ça fait mal aux oreilles, hein. Mal aux oreilles. Ici, y'a le mauvais. C'est des mauvais airs, du coup, moi j'ai le truc pour me soigner. Donc, voilà. Ok, je vais là. What? Attends, quoi? Hop. Ok. Ici, c'est une arme. Ok, je prends la petite potion. Je me soigne. Comment je peux passer là? Ok, c'est bon. Je pense qu'il y a un. Ok, il y a personne. Si on va là, il y aura un boss. Donc, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Ça, quand même... Regardez là, le plateforme. On dirait un truc de Minecraft. Ok, j'ai entendu un bruit de monstre. Je le connais, ce monstre. C'est celui qui est allongé par terre et qui saute sur ton monde. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Ah! Ok. Il m'a fait descendre beaucoup ma vie. Donc, il m'a fait beaucoup descendre ma vie. Donc... Wouah! Il y a un alien qui descend nulle part. What? T'es sérieux? Il était invincible ou quoi? Bon, allez, je me soigne. Bon, je vais chercher un mot en anglais, ça veut dire balle. Donc, je vais me chercher des balles pour mes. C'est des munitions en gros. Alors, tout le monde le sait normalement. Alors, les munis, je les cherche comme ça. Ok. T'es sérieux? Je veux même pas le. Le smoke. What? Il était bugué. En tout cas, moi je vois qu'il est bugué. Hein. Bon, moi je vais. Ça prend du temps pour le déclencher, pour le tuer. Hein. T'es sérieux? Il a même tué un autre. Il est invincible! Oh là là, ils sont tellement invincibles! Comme si j'étais impressionné en fait. Alors là-bas il y a un fusil à pompe, mais là j'étais coincé dans le décor. Ok, il y a le code là. 57-227. 57-227. Voilà, c'est ça. Ça, c'était le code, en fait, je sais même pas à quoi ça sert. Bon, je viens de faire entrer le code, et du coup, on est un tueur. Alors, on va tester tous les modes. Là, on teste le tueur, maintenant. Alors, à chaque fois qu'on meurt en tant que tueur, on devient un autre tueur, donc. Tout à fait normal, tueur, il y a que des mots de tueur. Mais j'aime pas trop lui, parce que lui, il fait pas beaucoup de dommages. Moi, mon préféré, c'est celui qui s'allonge par terre. Tin. Ah! Lui, par contre, il est 10 fois mieux. Il peut sortir des zombies du truc, quoi. Bon, évidemment, ils vont mourir bêtement. Des fois, ils meurent bêtement. You can't summon no zombies. Ouais, parce qu'en fait, faut qu'ils meurent d'abord avant que... Allez, je vous ordonne d'aller ici. Comme si ils allaient nous écouter. Ah bah il est monté lui. Tant mieux. Très fort. Bon, voilà. Tintin. Je suis un tueur. Je vais te tuer et mon petit ami me protège. Oh mais non. Tiens. Tata. Raté. Raté. Il reste plus que un PV. Bon voilà, il est mort donc. Je savais pas que je pouvais créer les zombies là au dernier moment. Ok. Je vais libérer Slenderman.
Slenderman, je te libère. Slenderman, je te libère. Zombies. Ah bah, oh, il one shot en fait, Slenderman. Oh bah, c'est question. Non, et vous entendez le bruit. Attends. Aïe, mes oreilles. Aïe. T'es sérieux? Il bug trop. Dommage, hein. Tu bug trop, je t'ai dit. Oui. Il veut pas, je laisse. Ok, ça c'est mon... Ah ouais. Ça c'est mon... Soldat. Ok, il y a quelqu'un là, il va être piégé à cause de moi. Tu ne peux plus sortir. Je suis là. Le gars cruel. Hello, neighbor. Ah oh bah, tant pis pour toi. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Merci mon gars. Ah! Allez, Simon. Vas-y. Zombie de l'acide. Celui que je suis en train de contrôler là, c'est un zombie de l'acide. Du coup, regardez, il crache là. Je l'ai même pas remarqué. Ok, je vais y aller là, j'imagine. Il veut se téléporter. Attends, viens. On lui fait une farce. Bon, il. Une farce, ouais. Comment je parle. Bon, ok, je peux refaire des chumons parce qu'il vient de disparaître. Allez, occupez-vous-en. Oh quoi, je peux pas. Ah, je dois tuer quelqu'un avant. Oh là là, qu'est-ce que c'est sérieux. Bonjour. Il veut m'enfermer dedans. Hein. Je comprends pas là. Attends, je vais pas le tuer. Ok, je t'enferme, vas-y. Bah t'es bête, je vais te tuer. Il est mort quoi là? Il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il fait? Ben merci, comme ça je peux créer des zombies. Non, j'y vais. Bon, on va changer de monstre. Après on va changer de mode aussi. Ça fait un peu longtemps qu'on reste sur ce mode. Pas faire de bruit. Mais il est mort. Aïe, mes oreilles. Bon, attendez, on va quand même essayer d'avoir mon monstre préféré pour voir. On va essayer, hein. J'ai bien dit essayer. Essayer. Ouais, il y a quelqu'un en fait qui contrôle là, vous voyez là, le petit bonhomme. Bon, on s'en fout. C'est pas ça que je voulais faire. Ça. T'es sérieux? Et si je redeviens lui, ce serait un peu bizarre quoi. Ok, non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Non, c'est pas lui. Je sais, on traîne pour rien, mais en fait, j'ai juste envie d'avoir mon monde. C'est pas vrai? Ok, elle protège les humains. C'est-à-dire qu'on peut tuer les monstres là. Moi, je le sais. Elle attaque. Quoi, je peux pas? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Encore? C'est pas possible. Attends, je vais juste créer ça là.
What? Quand on est mort, ils sont... J'y avais pas pensé. Bon, on va changer de mode parce que... Voilà. Alors... On fait deux derniers modes, peut-être. Je suis gorlo. Bon, c'est quoi qui lose? Ah, qui lose, c'est juste pour s'entraîner, donc... Bon, on va déjà faire ça, pour voir quand même. Et après, on fait les autres. On fait les trois autres. Bon, ça fait un peu longtemps, quoi. La vidéo, elle dure un peu longtemps, mais bon. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein d'armes, là, déjà. On est le seul dans le jeu, en plus. Une petite arme. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien dans le jeu. En plus, le pire, c'est que... Je suis seul dans le jeu, donc c'est pas très... C'est maison. Ok. Bizarre. Ouah! Ça m'a fait peur. Ok. Ok, on doit avancer. Ok, là on doit faire du parcours. Toi, je peux pas les tirer. Je suis là. Ok, c'est bon. Oh. Ok, on a déjà passé une demi-seconde. Allez, on va cette arme. Ah! Bon, on fait tout ça pour rien, du coup. Ok, c'est bon, on les a tous assommés. Ouah! Ouah! Assommons-les! T'es sérieux, mais. What? Oh non! Ok, what? T'es sérieux, mais je les touche, non? Ok. J'avoue, il y a un bonus mode. J'ai rien compris du mode, mais bon. Je pense un peu mieux, j'imagine. Ça se voit de toute façon. Wow, 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 on se calme, on se calme. T'es sérieux? Je peux pas les toucher d'ici. Ah, mais tu vois bien que j'y touche. Voilà. Mais. Toi, tu meurs. Tu veux juste y aller dessus, là. On doit y aller là. Hein, quoi? Ah. Ça fait 2 minutes qu'on est dessus. Mais. Il se cache là. Ah bah, on a fini. Voilà. Et puis voilà. Moi, je trouve que ce mode a été très cool, donc on va changer de mode, j'imagine. Attends, il y a quoi dedans? Il y a rien. Parce que d'habitude, il y a des armes secrètes et tout, mais là, non. What? Comment veux-tu que j'ai... On va jouer à la première personne. Oh purée. Sérieux moi? Oh, je peux même pas y aller. Il l'a sauvé. Juste, ça prend du temps et sans lieu, mais bon.
Là, je peux tester. Ouais, mais lui, il est impossible en face. Toi aussi, on va sur les côtés, peut-être. C'est impossible, hein. Je dis tout de suite, les gens. 10-moi en commentaire si c'est impossible ou si c'est possible de le faire. C'est impossible, là, on est d'accord. Ouais, dites-moi en commentaire si c'est possible. Ça m'étonnerait. Moi, je vote parce que c'est pas possible. Donc, moi, je vous dis bonne chance si vous voulez essayer. Bon, on change de mode. Ça va prendre longtemps quand même, hein, tous ces modes. Bonjour Galo, mode tout le monde le connaît normalement. Hein. Ouais. Donc je sais pas. Bon, tant pis, d'accord, on va le faire. Oh là là. Je sais, vous voulez le faire, donc on va le faire. Ah ouais, carrément. Oh, on a une vie en fait. Le tueur, il a une tonne de vie en fait. Ah mais oui, je connais ce mode. En fait, genre, il y a plein de survivants qui doivent tuer le Jorgano, trouver un moyen de escape ou trouver le code. Et tout le monde a une vie en gros. Et il n'y a que le tueur qui a autant de vie que tout le monde. C'est pour ça. Ok. Et on commence directement dans le truc. Donc, et on a une petite arme. Et tout ce qu'on a vu, toutes les armes qu'on a vues tout à l'heure, elles vont être au hasard dans tous les trucs. Du coup, là, on fait ça. Ok, bah, il n'y a aucune arme. D'accord. D'habitude, il y en a, mais tant pis. Ok, il y a une arme ici d'ailleurs. Ok, c'est juste une arme de base aussi. Une petite arme de base. On va la mettre dans le sac. Celle-là. Voilà. Ok, j'entends déjà des tirs. Ils l'ont trouvé. Ouais, ils doivent l'avoir toujours trouvé. Non, il est là. En plus, c'est un zombie d'acide. On se barre. Il est impossible. What? Attends, je vois mon potion. Non, je rigole. Je suis mort déjà. Bon, ce mode a été trop cool, les gens. Mais je crois qu'on va quitter parce que... Vraiment, ça va durer longtemps pour attendre à chaque game. Ah, ici, il y a l'arme, là. Vous voyez, là, il va la chercher. Oh. Bah ouais, il n'y a pas d'arme, forcément. Il se prend pour qui? Oh! Si! Mais c'est un fusil à pompe, laisse tomber. Bon, c'est pas intéressant. Non, j'ai mal, c'est très intéressant. Si vous voulez au jeu, je vous rappelle que c'est zone 51. Bon, on fait les deux derniers modes et après, on se dit. Alors déjà on fait ça. Endless Survival. Alors Endless Survival, c'est un de mes préférés les gens. Mais Story 51, ça c'est plutôt le mode histoire. C'est vraiment le mode histoire en fait. Bon, on va avec ces personnes là. On attend une dernière personne qui vient juste d'arriver. Tat, 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 tat.
Et je commence à chanter la chanson alors qu'en fait la musique s'est arrêtée. Bon, personne ne doit quitter, ok? Ok. Regardez, je vais l'écrire. Je l'ai écrit carrément. Bon, ok, là il y a déjà les monstres. Donc on se les fait. Bon, ici il y a personne. Ah si! Ok, c'est bon. On a déjà 90 points. Ah bah tant mieux, ici on peut y aller. Ouah! On est déjà là. Alors, sur ce mode de jeu, on peut reposer les planches. On peut améliorer, on peut avoir des armes, on peut recharger nos armes ici, mais ça coûte 50 points, j'en ai 210. Mais on va déjà dépenser toutes nos armes, il y a Sonic, toutes nos balles je veux dire. Et on peut reposer les planches, comme ça, ça va protéger. Ok, déjà il y a quelqu'un qui a acheté. Bon, tout le monde, chacun a quelque chose. On est 4 donc là. Il y a plusieurs modes, il y a solo, il y a duo, il y a tout en fait. Il y a session aussi. Bon, j'attends. Tout le monde d'à côté, hein. Personne. Oh, mais vas-y, tout le monde a quitté. On va jamais réussir tous les deux. Oh là 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 là. Tout le monde quitte comme ça. Sans rien faire. Bon, on va essayer de survivre. D'habitude, je quitte parce que... Ok, c'est bon, il est rentré. Bon, je remets tous les trucs. Toutes les planches. Voilà. Ici, comment ça se passe? Ok, ça se passe très mal, déjà. What? Il m'a lancé un couteau, le clincher. Oh non. Il y a un crâne ici. Ah non. Kaboom. Nuc. Ah, c'est bon. Ah ouais, ça brûle tout le monde après. Ça, c'est pratique, ça aussi. En fait, quand il y a des trucs dorés, on peut les ramasser. Du coup, ça fait des kills et tout. Quand on tue les monstres. Alors, on n'abandonne pas. Hein. On n'est pas des noobs. Ok, c'est le deuxième round. Je me suis rejeté des balles, les gens. Il y a une nouvelle arme, il y a une arme là-bas là. Enfin une nouvelle mais bon. Faut pas abuser non plus. Il y a une arme là, elle coûte 200. Je me suis acheté des balles alors que ça servait à rien. Du coup regardez, il y a des boutons secrets ici qu'on peut ouvrir là. Ça sert presque à rien mais bon. Alors. Qu'est-ce qu'on fait mec? On fait quoi? Ah ouais. Est-ce que je vois, il y en a, ils se sont libérés. Ouais. La première personne, je trouve que c'est mieux. Ça, c'est cool. Aïe! Mes oreilles, elles se sont cassées. Attends, je laisse le son là. Voilà, je laisse le son parce que sinon, je vais devenir sourd. Il est mort. C'est quoi cette chanson? Il y a mon pote qui s'est fait assommer là-bas. Je m'en fiche. Oh non, j'ai... En plus, j'avais pas le run, c'est pour ça. Ah. Ben voilà. Oh, les gens qu'on aura fait ce mode. Attends, on va faire une deuxième partie parce que c'est un peu genre tout le monde quitte quoi. C'est nul. On va faire un duo, je crois. Non, tiens, on va faire le même en fait. On a le survival 4, voilà. On est 4. Mais par contre, ces gars-là, ils vont pas. Ouais, ouais. Non,
normal, on fait les deux derniers modes. Celui-là et l'autre, l'histoire. La pizza est chaude. Ouais. On garde le meilleur pour la fin, les gens. Bon. Ok, déjà notre arme. Alors. Oh, je dépense mes balles, rien, je sais. Vague 1, en gros. C'est un clincher qui rigole, c'est même pas marrant. Alors, déjà. Moi, je regarde sur l'ordinateur cette fois. Ah! L'autre me gêne. Il y a personne. Je vais pas tarder à tirer, hein. Ok, ils sont derrière. Quelqu'un a déjà eu 100 points. Oula! Je sais pas qui a fait ça là avec les planches. Ok, personne n'a quitté. Ce sont pas des. Des fuckers. Ok. On recharge. Déjà, on a terminé la vague 1. On va passer à la 2. Ok, ils sont là maintenant. Wouah! N'abuse pas non plus, hein, le monstre. Le zombie d'acide. Elle est où l'autre planche? Ah, ouais, il n'y en a pas d'autre en fait. C'est bête ça. Waouh! N'abuse pas, Slenderman! Faut pas abuser des fois. Non, Slenderman, c'est méchant! Genre, il y en a un autre derrière. Il y en a encore un autre! On n'entend même plus mes tirs tellement ça bégaye. Bon, tant pis. Hein. Ok, on va s'acheter l'arme là-bas, là, que le gars il vient de. Acheté, j'imagine. Bon, je suis allé sur le côté alors que ça sert à rien. Alors, les gens, on va y passer par ça. On va acheter là. Oh, faut 200 points, j'ai pas assez. Eh, les gars, vous pouvez m'aider Là, c'est plutôt moi qui devrais les aider en fait. Ok, le crâne. Sérieusement, voilà, one shot, headshot. Pourquoi je fais pas le run, this is a run. Bon, je m'occupe de ce truc là. Okay. Oula, il y a déjà un méchant, on va chez Yalina. Tourni. Bon, y a personne. Hein? Ah si. Ok, il y a eu un petit peu. Ça va, c'est rien. Mec, tu me gênes. Mais tu fais quoi? Tu peux y aller avec les autres? Bon, tu veux t'en occuper? Vas-y, je te laisse faire. L'autre pas du tout sympa. Est-ce qu'on peut y aller là? Ok, il n'y a rien. Non, intéressant en tout cas. Il y a juste ça avec Slenderman, des pistolets et tout. Ça coûte combien? Ok, 150, je ne vais pas ouvrir. Parce que j'ai peur de qu'il n'y ait pas assez de monde. Oh my god. Les gars Police! On aurait dû partir. On se barre. Il y a trop de monstres. Oh non, revive. Non, les gens. Je crois que ce mode a été très cool. Sauf s'ils viennent nous revive. Attends, on les tire dessus. On est pas des... On va les sauver. Non, non. Reste plus qu'un. Je me
nous sur nous. Yes. Allez, go, go, go. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des balles, des balles. Oh non. Oh non, 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 non. Bon bah, si elle mange juste sur le mur. Alors, je fais ma vie. Alors, je fais ma vie. Attends, du coup, je peux... pas viser la personne, là. Non, je... Tenez, tenez, tenez. Pour la peine, tiens, tiens, tiens. Ok, merci, merci. Donc, non, 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 non. C'est pas possible. Je sais pas. Non. Pas. Yes. Ouais, victory. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant. Voilà. Comment on fait pour avoir ce travail? Tant pis. Ah! Bah bonjour Slenderman, je le savais, j'entendais un petit bruit de Slender. Bon, je sais pas si bête. Il y a personne ici. J'imagine c'est parce qu'il y a personne qui est dans cette salle. Oula, j'entendais. Non, c'est pas possible. Vous êtes pas sérieux? Les gars. Faites n'importe quoi des fois. On répare tout ça. Ça va pas être. Waouh! Il y a carrément Granny qui arrive. Super! Il y a un gars qui s'est fait avoir. Léon. Ah! Bon, on va mettre les barrières. Ah! Non, 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 trop tard, il s'est passé. Oh non! C'est pas possible. Réveil bleu! Bah c'est un fail. Wow, pourquoi sur l'écran? Vas-y, carrément un truc sur l'écran. Wow. Allez, je tire dessus, j'abandonne toi. Je suis gentil avec ton pote. Non, va mourir. On est mort. Qui est mauvais? Donc voilà les gens, je crois qu'on va passer à un autre mode. On va faire quelques parties du mode histoire. Aïe aïe aïe, mes oreilles. Mes pauvres oreilles, j'ai mal. Pas grave. Voilà. On arrête d'halluciner. Bon, allez, vous avez vu le mode histoire, il est cool, hein. Et il y a des âmes cachées, on a un chef qui va être mort. Vous voyez là, le corps, là, devant la porte? Bah, ça, c'est notre chef. Là, vous ne voyez pas encore, mais bientôt, vous le verrez. Alors je vous ai pas dit mais dans le jeu il y a plusieurs armes qu'on n'a pas encore découvertes. On va les découvrir dans un autre épisode. On va pas en faire qu'un seul hein, épisode. Hein. Ah. Ah là 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 là. Oh non, en plus en plein vidéo, il y a un bug les gens. Du coup on va recommencer. Alors, en mode histoire, on peut soit choisir Naruto, moi, normal, ou quelqu'un qui lance des pierres. C'est très très bizarre, j'ai rien compris au début. Et même là, je sais même pas.
pourquoi ça existe. Par contre, quand on choisit la pierre ou Naruto, en fait, c'est qu'on n'a pas un bon sac. Quand on choisit la pierre, on peut prendre aucune arme. Et quand on choisit Naruto, on peut prendre que 3 armes dans notre inventaire, quoi. Ça, c'est vraiment énervant. En fait, notre chef, c'est un noob. Et on doit le protéger. On doit le protéger, en fait. Parce que lui aussi, il a de la vie. Et il a des pistolets. Ok, il nous reste 3 personnes. Ok, 2. Allez, bam, on y va. Wow, il y en a plein qui rejoignent. Bon, regardez, je vous l'ai dit, Naruto ou Yu. Si vous connaissez pas Naruto, en fait, c'est un ninja là. Regardez comme lui là. Il court très vite. Comme ça, t'es pas obligé d'acheter le cheat. D'acheter le truc quoi. Mais moi, je l'ai acheté et, ça, et je vais pas dépenser ça pour rien. Dis que du Robux, quand même, c'est pas rien. C'est comme si c'était. Je sais pas moi. Je sais pas. Moins 10 centimes, 15 centimes. Mais en vrai, c'est rien. C'est quoi qu'on y va en fait, les gars? Il est où les gars? On y va quand? Regardez, on peut même voir les trous là dans les cheveux de Naruto là. Ça, on peut même voir sa tête. Ok, là c'est la Iris 51. Vous demandez pourquoi c'est nos ennemis maintenant? En fait, c'est mode histoire du coup. C'est l'histoire qui s'est passée. Regardez, là il y a un garde. Et lui là, le noob, il va genre le prendre la pierre. Bip. Lui il a tous les pouvoirs en fait, le chef. Regardez. Je suis un pro. You can't know come. Ouais, comme ça ils vont pas nous suivre. On doit le suivre, je veux dire. Il y a un sniper ici et il y a un sniper là-bas. Vous voyez pas, je monte du doigt, mais en fait vous voyez rien puisque. Ok, il y a un sniper ici, voilà. Et il y a un sniper dans le camion là, dedans. Non, il y a pas un sniper. Il y a un pistolet dans le camion. C'est une arme secrète qu'on peut pas avoir normalement. Voilà. Quoi? J'ai pas bruit? What? Attends. Oh non! Donc, des fois ça bug les gens. Des fois ça bug. Donc les gens, c'est chaud. Bon, c'est le dernier mode, donc on s'en fiche. Bon, on remplace. Voilà. Méchant là-bas, là. C'est derrière, la vidéo va être un peu longue, les gens. Je vous conseille de prendre du popcorn. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Du popcorn, popcorn. Regardez, lui, il a la pierre, par exemple. Regardez, on le sert.
on va descendre. Je crois pas que le mode histoire va le faire en entier parce qu'une fois qu'on est mort, faut payer 3 Robux pour revive. Oh là là, et c'est pas gratuit hein, les Robux. Hein. C'est du, on paye avec du vrai argent. Hein. J'ai dit tout à l'heure. Alors ça prend tellement de temps pour descendre. J'aurais aimé rester là-haut pour voir ce que ça fait. En fait, si on serait resté là-haut, on aurait eu une fin secrète, non? Ouais, bon. Parce que des fois, il y a des fins secrètes dans le jeu. Oh, purée. En fait, faut casser la caméra. Faut casser la caméra. Tout le monde veut la casser, mais bon. Faut casser la caméra, mais quand il dit la casser. Mes oreilles. Shoot! Ah bah! Oh non, il a été shooté avec la pierre! Oh non! Tant mieux! Bon, ok, ici il y a une arme. Voilà, on vient de la prendre. Il est dans l'inventaire. On va la remplacer par celle-là. Voilà. Quand on appuie deux fois et qu'on maintient après, ça tire automatiquement. Bon. Regardez, c'est leader, c'est marqué. Quand il est mort, en fait, il est mort devant la porte. Vous l'avez vu, non? Je crois que vous l'avez vu. Je l'ai dit quoi une fois, là. Ok, déjà, là. Ah bah, on est mort. Et bah, voilà. On va regarder les gens. Et après, il y a la petite chanson. Bon, les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le like et abonnez-vous si vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche. Ciao les amis.